des arbres. Ouais. Des arbres. Très bien. Là, il n'y a pas d'arbres. Bon, bah, super discount 3. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun Alex Boffer, je accompagne Étienne pour la tournée sur Super Scout. Étienne de Crécy et Julien Delfaux. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le concept de Super Discount? Parce que. Donc, il y a eu le 1, le 2. J'ai cru comprendre que le 2 c'était déjà super différent du premier. Et donc là, le 3, ça va être quoi en gros? Alors, le principe Super Discount, en fait, c'est un projet que j'ai démarré dans les années 90. C'est un projet de collaboration. En fait, c'est. J'ai une idée de disque, d'un style un peu de musical, et puis j'invite des copains et des gens que je connais, dont j'apprécie le travail, à venir faire de la musique sur ce disque. Et donc voilà, il y a eu un dans les années 90 qui était très house en fait, un deuxième dans les années 2000 qui était beaucoup plus électro, et là un troisième qui va sortir en janvier, en 2015, et qui est un peu le mix des deux. D'accord. Et du coup, en fait, sur le Alex Goffer a participé aux trois Super Discount et Julien a participé sur le deuxième aussi. On a fait le morceau de Dieu Transon, on a fait Fast Track. Et là, sur le troisième Super Discount, j'ai fait un morceau avec Julien, un morceau avec Alex, un morceau avec plein de gens. D'accord. Et depuis le Super Discount 2, on a fait des lives et il se trouve qu'en live, on est tous les trois sur scène et avec des machines analogiques. Et on. Ah, c'est analogique alors? C'est analogique. Et vous avez quoi comme matos alors? TR-808, TR-909, TV-303, Trio Roland, une NPC, des biscuits sur les petites machines françaises auto. Là, d'accord. Une DJM-900. DJM-900. Voilà. Ouais, voilà. Moi, ça me dit absolument rien, mais ouais. J'espère que les gens qui regarderont, ils sauront ce que c'est. D'accord. Et du coup... Donc là, c'est pas la première fois, je pense, que vous produisez pour le Discount 3. Non. Non, ça fait la première fois. Ça fait 3 mois. Ouais. D'accord. Et là, du coup, ça va se passer comment? Genre, vous jouez tous les trois ensemble ou... T'inquiète pas, ça va très bien se passer. D'abord. Je te sens un peu stressé. Ouais. En tout cas, vous avez l'air pas trop inquiet, ça va, tranquille. Non, bah, comment ça se passe? On voit du son qui va dans des enceintes. D'accord. Qui amplifie en fait le son, ça devient très très okay. Fort et du coup les gens apprécient. Donc, contrairement à un live avec laptop, on a des machines qui sont synchronisées. D'accord. Et qu'on doit faire fonctionner ensemble. Parce que vous avez que de l'analogique ou aussi Je sais pas si de la NPC on peut appeler ça de l'analogique, mais oui, c'est des machines qui sont. Ouais. C'est on a pas des jacks, c'est pas des ordinateurs. Il n'y a pas de USB sur il n'y a pas de câble USB sur scène, c'est que les jacks. Et du coup, il faut être ensemble. On peut réussir le concert, mais on peut aussi faire des concerts si on n'est pas ensemble. D'accord. Et là, du coup, vous jouez dans combien de temps? Une heure. Et alors, vous êtes chaud, ça va? Ouais. Ouais. Vous avez un peu vu. Est-ce que le site il vous inspire? Il est 3h, il est 3h, on joue à 4h. D'accord. Et du coup, vous avez eu le temps de regarder un peu l'endroit, etc. Justement, on allait aller voir. On partait voir. Ah d'accord, quand vous venez d'arriver en fait? En fait, on a fait les balances l'après-midi. D'accord. On a vu le site vide, maintenant on va voir plein. D'accord. Et ça... Ça vous inspire, ouais. Ouais, l'endroit là, la tente, le chapiteau sur lequel on joue, ouais. On s'est dit que ça pouvait être super. Ah non, de toute façon, il y a un côté hyper techno ici qui est cool dans l'endroit. J'avais déjà joué. Au Zénith, la troisième fois en fait que ouais. Je joue au Sphère. D'accord. Et l'année dernière, je crois que je jouais un peu. C'est là où il y a les loges ici, avant il y avait une salle. Un club. D'accord. Ouais. Ok. Mais ouais, c'était l'année dernière, au moment où j'étais. Cet univers hyper DJ ou cool. DJ. J'ai le cube en tout cas, jamais réussi à. Et là, vous avez un set de combien de temps? Une heure. Une heure, une heure. D'accord, ça va. Et après, du coup, vous restez un peu dans la région ou vous repartez direct Je vais à Marseille demain soir. Ah ouais, d'accord. C'est pas vraiment la région. Non, c'est... Comme Trent Muller. Je veux le même. Et là, vous êtes du coup en tournée ou c'est juste quelques dates comme ça?
3-4 concerts par mois. Mais en fait, le truc dans l'électronique, c'est une tournée un peu permanente, c'est-à-dire que tu joues le week-end, mais tous les week-ends. Ah ouais, mais du coup, c'est comment vous jouez aussi dans des clubs, dans des structures alors plus là, petites. Avec le live comme ça, on joue pas tellement dans les clubs, on joue que dans des festivals. Mais après, en DJ, Alex et moi, on a aussi une carrière DJ, et là, du coup, on joue dans des clubs, et pratiquement tous les week-ends. Mais là, l'installation telle qu'elle est sur scène ne tient pas dans un club. Ça ouais, que les scènes de festival. D'accord, ça va. Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour le live du coup. Merci.